Oui. Ça date des accidents, c'est de... Les habitants de notre région qui en étaient atteints furent si nombreux que l'on dut construire une léproserie pour les soigner. Ainsi fut bâtie à cet endroit une importante maladrerie. On la plaça sous le vocable de Saint Blaise parce qu'il avait la réputation de guérisseur et qu'il soignait les hommes et les animaux par les saints, c'est-à-dire par les plantes et par les prières. À l'aube du XVIIIe siècle, la lèpre disparut. Les bâtiments depuis longtemps inhabités furent démolis. Seule la chapelle demeura comme un témoin des misères passées. Mais elle restait vide et oubliée. Or, un jour, sollicité par quelques habitants de Milly, enfants du pays, connaissant bien l'histoire de la chapelle, Jean Cocteau, touché par le charme de cet endormi, résolut de lui rendre la vie, pour le profit exclusif des œuvres sociales, philanthropiques et culturelles de la ville. Selon sa volonté formelle, de même pour honorer Saint Blaise, il choisit les saints comme thème de décoration. Alors, il jeta sur ses murs, ainsi que sur les pages d'un herbier, ces magnifiques ans fleuris qui montent vers le toit comme une prière vers le ciel. Ce sont toutes des plantes de notre pays. Ce sont les saints qui, cultivés de nos jours, sont toutes connues de vous sous l'appellation générale de plantes médicinales. Vous voyez sur le mur de gauche, en regardant l'autel, la justiame, la belladone, la valériane et la guimauve. Sur le mur opposé, en partant de l'autel, l'arnica, la renoncule, la colchique et la conique. Regardez de chaque côté de la porte d'entrée ces deux splendides anciennes qui encadrent la célèbre menthe de Milly, la meilleure de toutes celles connues, qui a arrondi autour de cette porte ses feuilles en forme de fossiles avec les buissons M, qui rappellent son nom et son origine. Mente, Milly. Maintenant, retournez-vous. Au fond de l'autel, dans un triangle qui rappelle la Sainte Trinité, remarquez le Christ aux épines. La tête penchée sur son bras, il souffre toutes les douleurs des hommes. À droite et à gauche, dans les niches, couronne d'épines, travail d'origine locale, ainsi que les deux chandeliers réalisés avec de simples fourches à foin.